prêt? Je coupe ça et on y va. C'était bien la distance. Je suis peut-être un peu prêt quand même encore. Cette série d'émissions sur la danse nous montrera chaque fois un pas de deux, extrait d'un grand ballet classique. Nous regarderons d'abord répéter les danseurs à l'Opéra de Paris, dans le studio où ils travaillent en effet tous les jours. Nous les abandonnerons parfois pour parler du ballet, de son histoire, de sa création. Enfin, nous retrouverons les danseurs maquillés en costume et ils danseront le pas de deux en entier, comme ils le font en scène. Les danseurs répètent soit avec un pianiste, soit avec un magnétophone. Quand ils travaillent, il faut bien le dire, la qualité du son n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui compte pour eux, c'est le rythme. Encore faut-il pouvoir s'y retrouver. Est-ce qu'il y a un passage délicat, faut tourner bien ensemble, sinon ça ne va pas. Bon. C'est pirouette. Redresser. Regardons d'un peu près l'enchaînement des pas. Grand développé, porté. Développé, porté. Cette figure s'appelle un porté. Ça va très bien. Pas de bourré, pirouette, attitude. Maintenant, Noëlla Pontois, celle qui sera en scène la princesse Aurore, va travailler avec le prince, l'une des célèbres diagonales du ballet. Piqué arabesque, pirouette, fini poisson. Cette pose s'appelle poisson. Est-ce que je fasse la variation? Ce serait utile. Tu veux... C'est vraiment pour te faire plaisir, hein? Moi, j'espère bien. Mais non, il faut que je le fasse. Allez, vas-y. Bon, je vais aller mettre la musique. Thank you.
La séquence finale d'un pas de deux s'appelle la coda. Voici la coda du grand pas de deux de la belle. Dans les grands espaces, déjà, ça devrait aller mieux. Je te tire. Non, non, ça va. Moi, quand j'enlève les chaussons, déjà. Si vous me serrez, moi. Nous avons vu répéter ce pas de deux en maillot, sans costume. Cela permet de bien voir la chorégraphie. Madame.